Vous avez du feu, s'il vous plaît? Bah oui, bien sûr, bien sûr. Du feu. Ça tombe bien en plus parce que je viens de reprendre. Ah mais c'est encore un coup de mes poches arrière, ça. Au pire, j'ai des allumettes quelque part, mais... Ça doit être dans une poche, je sais pas. Je... Allez, fouillez-moi celle-là. Au pire, j'ai des allumettes. Elle est forcément dans le coin. Je suis là-bas. Y'a déjà des gens qui sont montés? Oui. Non. Enfin, je sais pas. Bon, on y va. Ok. Tu fais quoi comme métier cette fois-là? Je suis ingénieur chez Total. Ok. C'est au combien tième déjà? 7e, je crois. Ça va, je suis bien là? Ouais, parfait. Ok, super. Tu passes. Bonjour. Bonjour. C'est pour la visite? Oui. Suivez-moi. Alors ici, vous avez la cuisine, tout équipé, hein, mais alors de tout ce que vous aurez envie d'y mettre. La chaudière est neuve, hein, ça quand même, c'est très pratique, ça. Oui, puis c'est plus sécure. Voilà. Ok. Juste ici, vous avez la première chambre, très spacieuse, qui donne sur cour, donc calme. Voilà, placard, et puis la cheminée. Alors la cheminée fonctionne, mais c'est interdit de faire du feu à présent. Hein. Bon, cela dit, moi, j'en fais quand même. Ici, la salle de bain. Alors, la salle de bain, je reconnais, petit rafraîchissement, serait pas mal. Ah ouais. Moi, la couleur, je peux pas, mais faut qu'on change. Hein. Ça vous dérange pas? Non, ça me dérange pas, bien sûr que non. Et puis, si vous voulez, une douche à l'italienne plutôt que la baignoire, c'est plus écolo, voilà. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour. D'accord, vous super. Vous avez le dossier? Oui, Vincent? Oui. Le dossier? Ah oui, pardon, excusez-moi. Merci. Suivez-moi. Je vois que vous travaillez chez Total. Oui. Mais j'ai fait toute ma carrière chez Total. Ah! Au Gabon. Oh. Développement et stratégie. D'accord. Je vois que vous êtes au siège. Eh oui. Mais vous devez connaître Grangier. Pardon? Grangier, ressources humaines. Grangier... Je sais pas. Vous ne connaissez pas Grangier? Vincent, tu connais Grangier? Grangier, oui. Oui, bien sûr, oui. Oui, non, je travaille pas avec lui au quotidien, mais... Non, mais... Vous faites quoi, au juste? Chérie, tu fais quoi au quotidien? Eh ben, je suis ingénieur, je fais des tableaux, Excel, des macros, je suis pas mauvais en ce genre de choses. Bon, c'est pas très très passionnant, pour tout vous dire. Anso, elle est instit, hein, c'est vrai ça. On pourrait parler de ton métier un peu, t'auras peut-être des choses plus intéressantes à dire que moi. École primaire, très bien. Bon, arrêtez de me raconter n'importe quoi. Comment? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Je l'appelle. Grangier. Eh ben, quoi? Je l'appelle ou pas? Non, je sais pas, on n'est pas obligé de partir. Non, vous savez, c'est très simple. Un coup de fil. Maintenant.
une dernière fois où se trouve le microfilm. Vous êtes courageuse. On va voir jusqu'à quel point. Hey, c'est pas le type qu'il y avait dans le parc tout à l'heure ? Oui, oui, j'arrive! Ok, ok, je vais essayer ça. Donnez ça tout à l'heure dans la rue, je vous promets, c'est la première fois que je la vois. Tenez. Elle est belle, la résistance. Faites-le parler. Quoi ? Non. Non ! Non ! Vincent ? Vincent ? Oui ? On y va ? Oui, pardon. T'as vu ? La chambre, elle donne sur la place où la résistante Amaretto a été tuée en 40. Non, j'ai pas vu, personne n'a vu. On y va, allez. Marlène Amaretto ? Oui. Vous savez qu'elle vivait ici, cachée par mes grands-parents ? Plus personne ne connaît son histoire. Excusez-moi, est-ce qu'on pourrait commencer la visite ? On est un peu pressé. À l'instant, s'il vous plaît. Dites-moi, vous avez l'intention d'en faire encore beaucoup des visites ? Non, très peu. Vous aurez une réponse en fin de journée. Puis vous savez, pour Total, j'ai jamais travaillé chez eux. À bientôt. À bientôt. À bientôt, merci. Génial le coup de la résistance. Bon, sinon rien à voir, mais tu sais, je me disais pour mon film là, le moment où Marlène Amaretto, elle est coincée dans l'immeuble, tu vois. Ouais. Et si, juste avant, en fait, elle avait refilé le microfilm à un connard, n'importe qui dans la rue, qui en fait est du côté des collabos. Donc il va leur apporter le microfilm, mais les collabos savent pas qu'il est avec lui, donc il l'embarque. Il le déporte, le mec réussit à s'échapper et il termine dans le maquis. Et du coup, pour les collabos, c'est un résistant, mais pour les résistants, c'est un collabo. Et là, on est pas mal, on tient vraiment un personnage. Parce que... Ah, je t'ai perdu, là. Bon, je te la refais. Marlène Amaretto, elle donne le micro.